Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une vidéo nose et action. Parce que j'avais été, ça fait longtemps que j'avais pas été à nose. Je voulais voir s'il y avait des trucs gorgeuses. Comme d'hab, nous on les voit jamais. Ou alors il n'y a que les sacs. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je vous montrerai les trucs à la fin. Certains à la fin. Donc j'ai trouvé pour 1,50€ ces petites toiles avec le chevalet. Mon action, c'est des carrés, mais là on rétangle comme ça. Je trouvais ça trop sympa. Et puis je me dis, comme j'ai plusieurs échanges, des swaps, j'ai un calendrier de l'avant et tout ça, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire quelque chose avec ça. Donc ces toiles là, elles sont à 1,50€, pas terrible la lumière encore. Donc du coup j'en ai pris 3. Je vais vous donner la taille. Donc de longueur, elles font 15 sur 10. 15 sur 10. 1,50€, ça va. Du coup, j'en ai pris 3. Hop, je remets dans le sac si je peux. Ensuite, j'ai trouvé pour 99 centimes. Donc c'est des petits rondins de bois comme ça avec mon fil de fer. Je vais l'enlever. Moi je voulais juste récupérer les rondins de bois. Donc, en fait ils sont entourés avec ils ont entouré les petits morceaux. Donc il y en a 3. Il y a un gros et il y a 3 tailles différentes. Donc je me dis, pour des créas d'automne ou même de Noël, ça pourrait être super sympa. Donc j'en ai pris 2. Alors, le deuxième, il est là. Là, le fil est plus court. Ça va être plus facile. Toujours à 99 centimes. Oui. Je vérifie. Ensuite, j'ai trouvé des feuilles. On trouve à Action, on est comme ça. Mais là, je trouve que c'était une couleur. On n'a pas mis la couleur. C'est du 250 grammes. C'est les feuilles un peu structurées. Rien. Hop. C'est. Je vais vous en sortir une. C'est couleur champagne, je dirais. Et c'est comme dans les blocs d'action là. Donc il y a un côté lisse derrière et là ça fait un peu structuré. C'est comme les blocs d'action, il y a plusieurs couleurs là, vous savez. Les blocs A4, ben c'est ça. Sauf que là c'est ils sont un peu plus fines et c'est couleur champagne. Donc il y en a 15. Hein? Je ne vais pas les remettre dans le sac. J'ai trouvé des sticky notes Disney. Donc on a Mickey et Minnie à 1,20€ et il y en a pas marqué, il y en a pas mal quoi. Donc je me dis, quand je fais des envois c'est pas mal de glisser quelques petits post-it comme ça pour ceux qui aiment Disney.
Pareil, toujours dans l'esprit de Disney. 50 centimes les 20. Les pailles. Mais sont rouges à petits pois blancs. Et je me dis, quand je fais une création mini, ça serait pas mal. C'est tout à fait la couleur. Elle a une robe qui est comme ça. Rouge à pois blancs. Donc ça pourrait être pas mal. 50 centimes. Là c'est pas du scrap, mais j'avais envie d'essayer. C'est un assortiment de petits gâteaux sans huile de palme, sans colorant. Donc c'est espagnol. Alors c'est un assortiment traditionnel. Alors attendez, j'ai trouvé assortiment de petits gâteaux et sablés, pâtisserie et confiserie. Il y a du vin. Ils ont mis du vin. À noix de coco, de la cannelle, du chocolat, citron, anis. On goûtera. Je vous dirai ce que j'en pense. À 79 centimes. Ok. Ouais, ça vient de Séville. Espagnol. On goûtera. Après, je suis tombée dans un bac tout seul. J'aimais bien la boîte au début, je ne savais pas trop ce que c'était. Moi, j'essayais de traduire derrière alors que c'est marqué devant. Donc, c'est un coffret Paris. Il y a 40 cartes, 8 visuels, 40 pinces en bois et la corde de laine. Donc, je vais vous montrer. J'ai enlevé le papier. Je sais pas du tout comment c'est dedans, mais la boîte est trop belle. D'accord. Donc c'est des petites pinces comme ça. Je suis pas fan des pinces comme ça, elles sont pas costauds. Ça par contre, la petite cordelette comme ça, où il y a bien un mètre, peut-être plus. Ça c'est toujours utile. Et on a les cartes. Alors attendez. Regardez si elles sont autocollantes. Non, c'est pas autocollant. Alors, je vous montre les modèles. Il y a plusieurs à chaque fois. Ils sont un petit peu tordus. Attendez. J'essaie de les remettre droite. Donc, vous voyez, c'est des petites cartes comme ça. Donc, à chaque fois, il y en a deux. 3, 4, il y en a 5 à chaque fois. Donc, on a celle-ci. Après, on a le métro. Quand je fais des créations sur Paris ou même celle-là, je peux faire les vintage. Ensuite, on a les cadenas sur le pont, je ne sais plus quel pont c'est. Après, on a les coquilles. C'est pas parisien, non. Super joli. Après, on a une terrasse d'un café. Pareil, le petit déjeuner bien français, café, pain, croissant. Je suis plutôt pain au chocolat, mais c'est le truc de Paris. Ah, ça c'est extrait d'une chanson. Tu me fais tourner la tête. Bon, citation, une chanson. Et la dernière, waouh, celle-là elle est belle. I love Paris. Donc je trouvais ça super sympa. Et en plus, la boîte elle est trop belle. Quand j'aurais utilisé ce qui est dedans, franchement,
Elle me servira bien. J'ouvre mon boîte. Et elle est trop belle la boîte. On voit tous les modèles. Il y en a 8. Ouais, les 8 visuels, c'est ça. Non. Enfin, ce qu'ils appellent les visuels. Donc, plutôt sympa. Contente d'avoir trouvé cette boîte. Après, dans un bac, alors là, j'ai sauté dessus quand j'ai vu. Pour 1,50€, c'est des trombones, mais rose gold. Ah là là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh lolo. Ça, même le pot, regardez. Parce que vous voyez bien, le couvercle, il est rose gold. Franchement, hop. Trop sympa. Regardez, même l'intérieur. Franchement, il est beau le couvercle. Je vais juste enlever. C'est tellement bien collé que ça reste. Faudrait que je passe un petit coup dessus pour enlever la colle. Hop. Et hein, ça colle bien. C'est collé à mon doigt. Mais. Voilà. Alors, par contre, je préfère vous prévenir. Il y a la moitié normalement. Donc. Là, par contre, ça fait cher. Et en fait, moi, j'étais en train de regarder. Je croyais qu'ils étaient tous. Qu'il en manquait. Franchement, il y avait même à peine la moitié du pot. Quoi. Et il y avait une vendeuse. Bien connu à nous, hein. Vous imaginez, quand elle m'a demandé je peux vous aider, je dis, mais il n'y a pas un problème avec vos pots. En fait, c'est pour ça qu'ils sont arrivés à nous, c'est parce que il y avait, je sais pas, rempli comme ils auraient dû être normalement. Donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est pas gêné. Elle a ouvert deux pots, elle a vidé dedans et elle m'a fait un pot comme ça, avec deux. Il y en a un qui va se retrouver avec juste le fond. Désolée. Et la fille m'a dit, pour un 5 ans, on peut vous en rajouter. Du coup, elle m'en a remis dedans. C'est cool. Hein? J'ai eu le dos pour un 5 ans. Mais franchement, rose gold. C'est du plastique. Hein? Mais il est trop beau le pot. Franchement, il est à tomber. Donc voilà, 1,50€. Ensuite, il y avait un bac avec des cartes et des cartes. Bon, c'est des cartes toutes faites. C'est la marque Anima by Ali. Alors, c'est marqué Shine, your beautiful shine. J'ai trouvé trop sympa. Pas pour l'envoyer, mais moi, je vais couper la carte. Enfin, le devant. Et elle pourra être collée sur une autre carte. Pour faire un décor, et je trouvais que Vinted, ça aurait été sympa. Il y a l'enveloppe avec, souvent derrière. Oui, j'ai tout ça, mais moi, c'est le dessin. Ça aurait été mieux s'il y avait. J'avais mis juste Beautiful Shine. Enfin, après, ça, par contre, je vous dirai pas le prix. Il n'y a pas d'étiquette. Puis il va me chercher sur mon ticket. Donc j'ai pris la carte là. Hop. Toujours pour me détendre, m'éclater. C'était CPE autrement. J'ai pris CE2, 8-9 ans. Des activités schtroumpfement intelligentes. Donc c'est 1,50€. Et c'est des activités, où il y a des solutions derrière, mais alors on a, si je ne me trompe pas, il y a du français, des maths, de l'histoire, de la géo, des sciences et de l'anglais. L'anglais aussi est deux. Et c'est que avec les schtroumpfs. Vous voyez, il y a plein d'activités comme ça. Moi je me dis une fois. Je me suis éclatée, ça va prendre 2 minutes, hein. Mais regardez, par exemple,
J'arrive à... Merde. Tout en bas, il y a plein de petits bonhommes. Il y a une roue de pâte au milieu, mais on peut le casser. Ben, vous découpez et vous faites ça une bande sur une carte. Pareil avec une perfo, rond ou carré, hein, peu importe. Je peux récupérer les petits bonhommes. Bon, après, c'est recto. C'est pas gênant qu'on coupe, parce que derrière, vous voyez, il y a la solution. On peut récupérer tous les petits troncs là. Et je me suis dit, ça peut être sympa. Là, on a la tronfette. Oups. Hop, je prends. Bon, c'est plutôt sympa. On a la tronc gourmand. Voilà, c'est des vêtements pack. Il y a la tronfette, il y a baby tronc. Tronc grognon. Vous avez le tronc paysan. La tronfette sirène. On a le schtroumpf costaud, il est trop marrant. Moi, ce que je préfère, c'est le schtroumpf grognon. J'aime pas ça, j'aime pas, j'adore. Je sais pas si tant. On a le schtroumpf sportif. Celui-là, c'est qui? Ah, le schtroumpf. Comment il s'appelle? Le schtroumpf qui bricoleur, voilà, c'est non. Ensuite, on a le schtroumpf gourmand. Enfin, vous voyez, il y a plein de petits schtroumpfs à récupérer dedans. Donc, il y avait un autre, c'était CP. Donc, là, je me dis, déjà, ça va prendre 2 minutes. Enfin, 2 secondes, on va dire, pour faire l'exercice. Mais je trouvais ça mignon et récupérer tous les petits schtroumpfs après. On a même les conjugaisons, mais vous voyez, on peut récupérer vraiment. Hop, il va être tout dépioté sur petit papillon, la petite image pour une attestante. Pareil sur les couvertures. Le truc, c'est que si je récupère pas les deux derrière, mais c'est pas grave. Mais le grand chron comme ça peut être sympa. Et puis là, pareil. En fait, il va être dépioté, ce truc. Donc, j'ai payé ça 1,50€. Plutôt pas mal. Après, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore aussi Titi. J'en ai plein là-haut. J'ai un grand qui fait ça. Et j'ai un tout petit. Enfin, j'en ai deux. Donc, j'ai trouvé un notebook Titi. Il est tout simple. En bas, il y a marqué Sweet Idea. Hein? Derrière. Comme ça. Donc, je vais juste enlever. Hop. Alors là, il y a plein de petits mots aussi qu'on peut récupérer. Récupérer les petits mots derrière, certains, le boom, bibi, voilà, ça peut faire un fond de d'ATC, voilà, et je crois que c'est déchiré, j'ai peur, ah ouais, d'accord, en fait, c'est tout, regardez, ça fait effet déchiré, au début, j'ai peur, je crois que c'est carnet qui était déchiré, c'est vraiment bien foutu. Donc, on a le devant et derrière. Bon, après, ils sont tout simples. Hein. C'est toutes des pages comme ça. Il y a juste la tête, demi-tête. Mais il y a pas mal de feuilles. Et en plus, ils sont lignés. Même là. Tout simple. Hein. Par contre, il n'y a pas mis combien de pages. Il y a 200 pages. Ouais, ils sont. C'est toutes les mêmes pages. Moi, ouais, elles sont fines. On prend un carnet de plus. Celui-là, il va me servir
pour tout ce qui se rapporte à Disney. Je ne sais pas quoi exactement encore, mais ce sera pour Disney. Donc je garde la couverture, parce que je vais récupérer ce qui est dessus. Voilà. Après, j'ai trouvé des notes autocollants. En fait, c'est des post-it. 99 centimes. Mais, hop. Puis, vous voyez bien. Sans cela, vous ne voyez pas. Hop, comme ça. Donc, c'est la marque Keto. Vous ne voyez pas. Oui, 99 centimes. Voilà, ça se présente comme ça. Tout simple, c'est des post-it. D'accord, en fait, c'est des post-it sur les signes zodiaques. Je ne suis pas du tout Verseau. Marqué en bas, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, là. Et ça a été créé au Canada et fabriqué en Chine. Ouais. Donc c'est des post-it. Alors on a, il y a des bandes. Là c'est vert. Après ils sont tous pareils. On a celle-ci et on a comment on appelle ça? Une pieuvre. Cherche un nom. Hop, voilà, là il y a la pluie. Après je me dis, une fois que j'ai utilisé ce qui est dedans, juste cacher cette partie là et le haut, peut récupérer une image ou alors en faire un autre petit post-it à sa façon. Ça peut être une idée. Bon, il n'y a pas mis combien il y en a par contre. Ben, on voit, hein, il y en a pas mal. Il n'y avait que celui-là, sinon j'en aurais pris deux. Parce que j'adorais les petits dessins. Donc voilà. J'ai pris une trousse. Alors pas parce que j'en ai spécialement besoin. Enfin en tout cas pour chez moi. Mais logiquement, j'ai mes ateliers. Je vous avais dit. Pour ça qui ne savent pas, je fais partie d'une association et hors Covid, on avait tous les lundis couture. On pouvait faire autre chose. Moi, quand j'ai envie de faire couture, je fais du coloriage. Comme ça, c'est sûr de faire du colo. Et le jeudi, c'est tout ce qui est scrap. Et deux fois par mois, on a une animatrice qui vient nous faire des projets de scrap. Alors, j'ai trouvé cette trousse. Pareil, je n'ai pas le prix. Je crois qu'elle était à entre 1 et 2 euros, un truc comme ça. 2, ah, je ne sais plus. Donc, c'est une trousse crayon. Je ne suis pas fan du tout de ce qui est derrière, mais d'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que représente ça. Mais moi, ce que j'aimais, c'est le principe des trousses doubles. Hop, il y a une qui s'ouvre à gauche et l'autre à droite. Bref, ils ont été collés ensemble. Donc voilà la trousse. Et de l'autre côté, ben, elle est blanche. En fait, c'est deux trousses qu'ils ont cousues ensemble, collées. Donc je me dis pour mes ateliers. Que je vais refaire au propre, on va dire, parce que j'ai pas touché depuis le mois de mars, puis le Covid, hein. Et je me dis pour mettre tout ce qui est crayon, colle, parce qu'habituellement j'ai une boîte, hein, qui est là, mais je peux pas mettre grand chose dedans. Par contre je vais garder ce qui est cutter et pique, vous savez, pour faire les trous, je vais quand même le garder là-dedans, je mettrai dedans. Mais le reste, j'aurai quand même plus de place dans la double trousse que dans ma petite boîte. Et il n'y avait que ce modèle-là, sinon, je vous dis, je ne suis pas fan du tout de celui-là, j'aime pas.
Mais je n'avais pas de choix, elles étaient ensemble. Ensuite, je suis retombée, ils ont sorti une nouvelle série, les boissons héroïques sport, que j'aime bien. Franchement, ils avaient remis à la fraise, enfin c'est fruits rouges. C'est bon, hein, mais c'est vachement trop sucré. Et là, c'est citron vert et menthe. Alors vous allez dire, je croyais qu'ils n'aimaient pas les trucs avec de la menthe. Mais là, c'est très peu. C'est un petit goût, arrière-goût, mais très léger de menthe. C'est plutôt citron vert qui prend dessus. Donc du coup, moi, j'ai repris celle-là. Il y avait aussi au citron, comme j'adore. Sauf qu'il m'en reste, j'en ai pris une fois. J'en ai encore trois. Donc là, celle-là, j'en ai pris trois aussi. Je les mets là. Et la troisième. Ensuite, il y avait un bac avec plein de rubans. Moi, je ne sais plus où les mettre. J'ai un tiroir, une boîte à chaussures. Et j'ai carrément des tissots Disney. Ils sont pleins. Mais celui-là était super sympa. Pour le vintage. Alors, j'espère que vous allez... Non, rien voir. C'est couleur... marron clair, beige. On va dire, attendez. Si j'arrive à... Ben, c'est carrément du scotch pour les pansements. Ça ressemble. Hop, ben voilà, je vous montre. Waouh, on voit rien. Attends, je sais pas si je mets chaud derrière. On va mieux voir. Hop, on va essayer de tenir comme ça. Donc c'est des papillons blancs sur du beige. C'est du beige. On voit rien. Désolé, je sais pas comment montrer. Hop, c'est les papillons blancs sur du beige. Donc à 60 centimes et on a 3 mètres. On a tué ces deux là, c'est cool. Pour le vintage, pareil, ça va être super fin. Alors, attends, il faut se remettre. Hop. Bon, on dirait que c'est les papillons, ils sont peints à la main. Ça fait un peu comme un effet peinture. Je vais vous montrer. Oui. Voilà. Et par contre, ils sont... Il aurait été plus là, j'aurais pas pris. Ça fait du 2,5 à peu près. Donc c'est quand même assez grand. 60 centimes. Ensuite, ça n'a rien à voir non plus avec le scrap. Mais je suis tombée là-dessus. Je vous dis, hein, quand j'ai mes ateliers, elle me dit j'ai pas trop de temps de cuisiner. Comme j'ai pas mangé tout, j'ai pas faim. Donc j'ai trouvé du gratin de macaroni au dé de poulet à la crème fraîche. La marque Dossi. 1,99€. En sachant qu'en magasin, je l'ai vu, il est presque à 2,80€. 2,19€. Là, 1,99€. Donc du coup, j'en ai pris deux. Ça va au micro-ondes, il y a 300 grammes. Il n'y avait que cette... les gratins de macaroni, là, il n'y avait que ça. Du coup, j'en ai pris deux. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, ben, d'ailleurs, de cette collection, vous savez, les petits carnets que j'avais fait comme ça. Et ben, j'ai trouvé, il n'y avait que celui-là. C'est un bloc-note qui scotche au frigo. Ah ouais? C'est monté derrière. Donc je vais le trouver sur mon frigo. Hop. C'était 99 centimes. Vous voyez, on colle derrière le frigo. C'est
J'ai pas des mots là. Bon, ça colle pas, c'est plastique. Mais t'aimanté. Donc, je vous montre. Pareil, créé au Québec. Abriguer en Chine. Voilà, c'est un petit post-it avec le petit bonhomme que je fais. Ben, c'est la même. Ouais, c'est le même que le carnet. En fait, il n'était pas là quand moi j'avais dit. Donc là, c'est cancer, par contre. Là, pour après, les feuilles sont toutes simples, comme la première. Il y a le petit crayon en bois, il y en a pas mal. Ouais, cancer, c'est le même pour ça. Donc, j'ai trouvé ça tout sympa à coller sur Brio. Hop. Et puis, 99 centimes, ça va. Voilà, on arrive au bout. Il reste deux trucs, trois. J'ai pris aussi la même que tout à l'heure, mais cette carte-là. OD Vision Trust The Process. Tiens la vraie vision du progrès. Donc j'ai trouvé super sympa. Pour coller, pareil, je vais juste prendre la carte du dessus et la couper. Il n'y a pas de prix non plus. Et avant-dernière, et là je me suis trompée, je voulais prendre des plus petites, et puis là. Sauf que je voulais prendre les... Ça c'est des AA. Je voulais prendre les AAA, les toutes petites. Donc il y a... Ah, attendez. Il y a 16 piles pour 2,29€. Franchement, c'est 5€ présent. Donc c'est des piles... Midi Max. Super énergie. On verra. Donc j'ai pris ça, mais ça me trompait, je voulais prendre les petites. Et la deuxième chose, je ne l'avais pas pris l'autre fois, mais là je me dis non, faut que je le prenne. Un carnet Santoro Corsus. Le collector. C'est un notebook, hein. Tout simple, 3,50€. Alors il est, c'est couverture plastifiée, là, comme un couvre-cahier. Donc à la fin, c'est comme ça. Devant, on a comme ça. Et à l'intérieur, bon, à la base, c'est ligné, on peut mettre la date, et bon, ben, c'est un notebook tout simple. Hein. Tout est dessin, par contre, c'est le même. Ouais, c'est toutes les mêmes. Franchement, il est trop beau. Pour moi, derrière. Il est trop sympa. Il est un petit peu plié à force d'être là. Maintenant, c'est juste le plastique. Hein. On peut l'enlever, il n'y a pas de problème. Mais il est trop beau, quoi. Il n'y avait que celui-là. Il était là depuis un petit moment déjà. Et non, je lui dis, je suis là, je vais le prendre quand même. Un petit carnet et ça sera pour les trucs gorgeux. Et dernière chose, j'ai vu qu'il y avait un arrivage de sac de cours, de machin, tout ce que vous voulez. Et ben moi, j'ai trouvé, on va dire un peu un cartable. Voilà. Donc celui-là, il était à 13,99€. Il est trop beau. Quoi. Avec les poignées, ça c'est top. Bon, ça, je suis pas fan de
les trucs au milieu, là, en poterie, il va pas rester. Derrière, on a des poussettes, hop, qui s'ouvrent, comme ça. Là, on a une autre, sauf que là, hop, il y a une fermeture éclair. Avec, comment on appelle ça? Bah, le truc de la fermeture, hein, la boucle, je suis le nom. Hop, petit. C'est un petit cœur hein, avec marqué son tourbé. Oui, un petit cœur marqué son tourbé. Et franchement, il est trop beau. Il y avait un autre modèle, enfin le même, mais dans une autre couleur, sauf que j'aimais pas la couleur de l'autre. Alors attendez. Je suis pas douée pour défaire les nœuds. On va essayer sans. Je voudrais pas couper parce que il est noir à poids blanc. Ça peut servir. D'accord, on va pas inciter, je vais tout déchirer. Je voulais vous montrer l'intérieur. En fait, si on peut, je fais. Bon, voilà, intérieur, il est comme ça. Avec marqué son taureau, là. On a une fermeture, là. Et de l'autre côté, il y a une pochette pour mettre le portable ou autre. J'arrive pas à trouver. Voilà. Il y a une pochette. Là. Donc, il est plutôt mignon, hein, les petites fleurs, oui. Avec des pochettes. En dessous, c'est rayé. Et il est à tomber. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, c'est déjà pas mal. À nos, des trucs. Ah si, il y avait d'autres gorgeous en caisse par contre. C'était des crayons de la marque Santoro, sauf quand on gardait le crayon, j'étais juste décoré. Il y avait. J'aurais dit dans un bac de sol, j'aurais même pas su que c'était Santoro qu'ils avaient fait. Il n'y avait rien de marqué, pas de dessin. J'ai pas trouvé terrible. Et ensuite, il y avait un autre truc Santoro. C'était quoi, déjà? J'ai fait tellement de trucs. Attendez, qu'est-ce que c'était? Il y avait le crayon. Je sais plus. Il y avait un autre truc. Et j'aime pas du tout. Vous voyez pas du tout, il n'y avait pas marqué déjà son taureau, c'est juste un petit dessin quelconque. Donc, son taureau, je sais pas. C'est pareil, on n'aurait pas su que c'était eux qui l'avaient fait. Donc voilà, mes achats, 38 minutes quand même. Ça va être une grosse vidéo. Nose. Et maintenant, hop. On va passer à... un chien. Où c'est le coup. C'est ma honte en plus. Alors, je vous montre. Il y avait... Ah non, pas. J'ai oublié mon sopalin. Voilà, une fois c'est pas pitouette. Ouais, je retourne pas tout de suite. Vous savez que j'adore ce petit plat là qui est découvert à Action. Là, c'est les penne carbonara. Donc ceux-là, j'en ai pris deux. Et j'ai pris à la tomate. Ils sont là.
Il n'y a pas tant que ça, mais il y a des trucs lourds pour ça. Moi, j'adore ça, les penny bunny. Franchement, vous faites ça avec une viande, une salade, à tomber. Celui-là, j'en ai pris 3. Bon, là, il y en a que 2 parce que j'en ai mangé un hier soir. Donc voilà. Au début, j'ai eu peur parce que je ne les voyais pas. Et en fait, devant celle-là, qui était tous ensemble, il y avait des raviolis en barquette. Je lui dis, les raviolis, j'en mange en barquette comme ça. De temps en temps, en boîte. Donc, je ne voulais pas reprendre des raviolis. Moi, je voulais ceux-là. Donc, j'ai pris 2 et la 3. Alors, attendez, où est-ce qu'on va aller? Je vais les poser par terre. Hop. Je vais faire 2 la place. Enfin, il y en a partout dans mon atelier, c'est une cata. On dirait un tsunami. Il faut vraiment que je range à fond parce que là. Ensuite, je suis toujours à chercher les chouchous. Que ce que j'ai là, on trouve jamais les mêmes. Et là, j'ai trouvé cela. Tout doux. Donc, il y avait rose et blanc. Et il y avait un peu plus large, mais tout plat, tout simple. Rose fluo et blanc. Pas fan du rose fluo dans les cheveux. Et je voulais en prendre une autre couleur, mais il n'y avait que cela. Ou alors tout noir. Et tout noir. Et j'en ai déjà plein. Donc j'ai pris blanc et rose. Et il y a 2 de chaque. 4 ponios. Hein? Je vous montre dans l'ordre que ça vient. Alors, je suis tombée là-dessus. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce personnage. Ah, apparemment, c'est japonais. Donc, c'est de la pré-shampoing. Attendez, je crois que je me suis trompée. Il est marqué après shampoing. Et là, il met de l'huile. Mais attendez, en français, ça aurait été bien. Ah, il y a 3 parfums dedans. Attendez que je vérifie, mais sur l'étiquette, il y a marqué après shampoing. Ce coup-là, il y a marqué Sunflower Oil Elixir. Donc, c'est une huile pour le soleil. Je crois que je me suis trompée. Je voulais un après shampoing. Il n'y a rien marqué en français. Moi, je suis japonais. Je regarderai la traduction. Bon, les ingrédients sont en anglais. Je crois que c'est une huile qui compte. Mais regardez le petit bonhomme, il est trop mignon. Trop mignon. Hop, si je mets les doigts devant, ça va faire. On le voit mieux là. Mais franchement, le design de la bouteille, j'ai trouvé ça trop mignon, quoi. Et tout, on a l'impression que c'est. Vous voyez la forme. J'ai trouvé super sympa. Bon, après, ça me paraissait un. Vérifie, c'était marqué après shampoing. Alors, apparemment, il y a. Ah oui, c'est pas du tout un après-shampoing. On dirait une crème. C'est une crème comme Nivea, Mustela. Une crème de je sais pas quoi. Oh, ça sent bon. Ouais, c'est pas du tout la bonne étiquette que j'ai vue. Mais c'est pas grave. Alors en bas, on a vanille, musc. Au milieu, on a fleur de passion. Vanille blossom et en haut on a du bergamote et du lit fer. Ben si pourtant ils disent
appliquer. Attendez. Appliquer gentiment sur les cheveux mouillés. Ah si, c'est un après shampoing alors. Oui. Ça, ça ressemble à une crème. C'est un soin pour les cheveux, on va dire. Donc, on essaiera. J'ai trouvé ça fresh light. Ah, il y avait trois modèles. Et trois bouteilles différentes. Moi, j'ai pris la jaune. Il y avait une rose. Et une autre fleur de je sais pas quoi. Et une autre, mais je n'aimais pas l'odeur. Je ne sentais pas tellement. Donc, c'est bien après shampoing, mais en un soin. Après, ça c'est la photo à Valou. Elle m'envoie une photo et elle me dit: t'as vu ce qu'ils ont fait à Action? J'ai de la chance d'avoir trouvé parce que ce genre de truc on ne trouve jamais là-dessus. Alors, c'est une eau pour le corps. C'est pour le corps. On fait petit après la douche là. C'est un peu comme. Attendez. Plus ça va et plus c'est un petit. Tant je vois bien, hein, mais j'imaginais. Oui, rien, alors imaginez-moi. Donc c'est une. Attends, j'essaie de trouver en français. Un spray pour le corps et des paillettes. Voilà. Alors, ils ont logiquement des odeurs. Moi, j'avoue que j'ai certaines. Si. Il faut laisser un peu le temps, pas se mentir. Et je suis shootée dans ma vie. Donc, on a un mini. En fait, c'est que Disney. Il y a trois modèles différents. C'est que des. Non, il y a Mickey. Il y a deux mini, un Mickey. C'est quand même des grandes bouteilles, hein. Elles font 250 ml. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des paillettes. Je ne les vois pas. J'espère que vous les voyez. Il y a des paillettes dedans. Il y a des paillettes. Alors, les bouchons, ils sont trop beaux. Dorés, comme ça. Alors, celui-là est censé sentir les fleurs. Alors, il faut s'en mettre à... Attends. Hop. Alors, il faut laisser... ça sent bon. Il faut laisser, en fait, un peu sécher. Et voilà, je n'ai pas mis assez beaucoup. Il y a des paillettes normalement. Ça sent bien les fleurs. Plus rien, t'attends. Alors j'en ai pas mis assez, mais il n'y a pas de paillettes, mais. Parce que j'en ai mis juste comme ça. Mais on met surtout le. À éviter les yeux, quand même, les nez, enfin, éviter le visage quand même. J'ai peur que ça pique. Donc, il y a mini à la fleur et il y a mini. Je suis un peu loin. Avec celui-là, il est censé être au citron rookie, je sais pas ce que c'est. On est de l'autre côté. Hein. Par contre, ils sont durs à appuyer. Hein. Attends, j'ai évité d'en mettre. Voilà, tu vois. Oh, voilà. Mon gars, j'ai failli tout senti citron. Alors, citron. Citron rocking, c'est pas ce que c'est.
Ça sent bon, mais on va attendre un peu. Pareil, celui-là, il a des paillettes. Hop. Et le troisième, là, c'est. Mais il n'y a que Mini, en fait. Parce que j'aurais mis plein de Mickey aussi. Donc, on a Mickey, là. Mini, pardon. Sur toute la bouteille. Et celui-là, à l'orange. Orange de Mini. Orange de rêve. Bon, voilà. Ah, je suis collée dessus, là. Ça sent bon, mais je sais pas où est-ce qu'il se trouve. Et celui-là à l'orange. On va essayer de mettre à droite parce que. Oh, bah voilà. Parce que à gauche, on a du citron et des fleurs. Pareil. Donc c'est quand même des gros. Je crois qu'ils étaient à 2,49, comme ça. Alors, l'orange, je sais pas, mais. Oh, c'est une tuerie. Je sais pas si c'est vraiment orange. Léger, ouais, il faut vraiment. Faut bien laisser sécher, hein, je pense. Oh, celui-là, c'est une tuerie. À l'orange. Mais alors, l'autre citron, je suis déçue. Moi qui adore le citron. Je sais pas où est le citron. D'autres florales, ils sont bons. Mais citron, ils ont loupé leur truc. Ensuite, ben, comme Balou m'a envoyé la photo, j'en ai pris un Balou aussi. Elle est au courant, ne vous inquiétez pas. J'en ai pris aussi. J'ai enfin trouvé le petit bloc bleu que je voulais reprendre en double. Donc je ne vous le montre pas, vous l'avez vu. Mais franchement, ces effets-là, c'est une tuerie. En fait, c'est tout uni là. Celui-là, on n'en pas. Oh, c'est pourri la lumière. Voilà. Donc j'ai repris celui-là, il manquait celui-là. Deux fois j'ai pris le violet et le rose, et là j'ai pris le bleu. Et j'ai pas pris non plus le bleu turquoise comme une fois. J'aimais pas du tout. Désolé, il y a pas plus, je reprends après. Chant de musique. Voilà, c'est ma responsable d'atelier, mais je choisis mal son moment. Donc j'ai pris en noir aussi, mais là il n'y a que des noirs. Donc il y en a quatre, pareil. Ça tient pas super longtemps. Hein. Ce que j'avais pris avant, je fais des dentelles autour, au bout d'un moment tout se découpe. Ça part en sucette. Moi, par contre, je ne le jette pas. Je récupère toute la dentelle qui est sur les. Les chouchous abîmés. Bon là, abîmés, ça partirait à vous, alors on ne pourra pas faire grand chose. Donc j'ai pris mon moi aussi. Hop. Ouais, je vous ai dit, hein, je les ai pris à Valou. Là, ça se fait rentrer parce que c'est une petite surprise pour les enfants et comme ils regardent les vidéos. Halloween au mois d'octobre. Je me ferai pas avoir comme l'année dernière, parce que moi j'ai plein de gamins qui viennent à Halloween. Tu sais, ça fait 10 ans que je suis là. Donc, il y a 2 ans, j'avais pris beaucoup de bonbons. Parce que l'année d'avant, j'avais pas eu assez. J'étais obligée de piocher dans les miens, mais c'est pas ceux d'Halloween. Et l'année dernière, j'en prends moins. Hein. Un peu plus chaud. Et je me dis, il n'y aura pas grand monde, l'année dernière, il n'y avait pas. Ils sont arrivés à 10. J'ai fait des petits sachets de bonbons à la fin. J'en ai fait 18. Vous imaginez? Donc là, j'ai trouvé les bonbons d'Halloween. Qu'à chaque fois, je dis, je vais attendre. Et il y en a plus.
là, j'étais une semaine max en Europe. Donc j'ai pris les Mau Mau Halloween Mix Sweet and Sour. C'est un paquet de 400 grammes. Alors il y a ça dedans. Il y a des carambars, des Aurore Blocks, Spooky, enfin, voilà ce qu'il y a dedans. Donc c'est le moment d'Halloween. Et pareil, j'ai peur de ne pas avoir assez. Et surtout, je voulais pas mettre que les mêmes bonbons. Je sais plus, je crois que c'est 3,99 ou 2,99, je sais plus. C'est une boîte d'un kilo. La boîte, elle va me servir après. Avec des bonbons comme ça. Alors moi, je suis pas fan du tout. Ouais, je sens bon, mais j'ai mis tous les parfums et maintenant, ça sent un peu... Ouf! Je vais prendre une douche alors. Je suis pas fan de ces bonbons là, comme ça. À part les blancs, il y a du blanc en tout, j'aime bien. Mais les autres, j'aime pas. Je les mange jamais. Donc là, on a tête de mort, citrouille, chauve-souris, truc gluant à la chambre, et le chapeau. Voilà ce qui attend. La boîte est super belle. Ouais. Trop marrant. Ah, ça fait 100 fois. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a du blanc en dessous, mais pas sûr. Donc, voilà pour Halloween, pour les gamins. Ensuite, alors là, je sais. C'est Halloween, je. De par les couleurs, mais ça c'est pour moi. Édition limitée, bah oui, c'est Halloween. Moi je suis fan de ces petits bonbons là. Comme ça. Donc on a orange, pomme et cassis. Moi j'adore cela. J'avais trouvé il y a super longtemps à Farfouille. Tu sais, des fois, ils font des boîtes d'un kilo, là. Boîtes comme ça, mais carrées. Et il y avait que à la pomme. Pomme verte. Grande fan de pomme verte. Et ça commence à me gratter. Ça commence à avoir chaud. Mais celui-là, c'est pour moi. Après, les bonbons d'Halloween, c'est juste parce que... Il y a marron, orange et vert. Pomme, cassis et orange. Alors cassis, ils ont fait marron. Pourquoi pas? Ils ont pu les faire violet, hein. Il y a du violet à Halloween. Ça par contre c'est pour moi, c'est pas pour Halo. Enfin pour les gamins. Ça, je vous montre pas. J'ai voulu essayer. Vous savez, j'avais pris celle-ci. À la sucette, bah, à la fraise, j'ai pas encore goûté, et là j'ai trouvé au melon, à la crème de melon, verte, voilà, je pourris la lumière tout de même. Bon, on goûtera pareil, et je vous dirai si c'est bon. Ensuite, là, j'ai trouvé. Et ça, j'en ai pris un pour Balou aussi. Il est trop mignon. C'est du gel pour la douche. Enfin, gel douche. Mais regardez avec. Alors, je sais toujours pas le nom. Balou, si tu me diras. Ou même si quelqu'un d'autre le voit avant. Comment elle s'appelle déjà, elle? Je sais plus. Je sais que c'est Zaritoucha. Mais je sais plus son nom. Alors, par contre, surprenant. Ceci. Oui, il y avait d'autres trucs, mais j'ai pas pris. Mais ceci était dans le rayon bébé.
C'est Disney. Donc c'est du. Ouais, c'est pour les enfants. Gel douche pour enfants. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Alors celui-là, il y a marqué je suis adorable. Et franchement, elle est trop belle. Après, il n'y a pas de parfum spécifique. Hein. C'est pour les bébés. Je pourrais pas vous dire puisque il y a l'opercule. Attends. J'arrive. Je voudrais juste sentir. Je vais faire les dents, non? Donc, ça sent bon. Après, c'est pour les bébés, non? Il n'y a pas spécialement d'odeur. Moi, oh, attendez. Je crois que. J'essaye d'ouvrir un peu plus. On dirait limite de la fraise. Je sais pas si. Ouais, il est rose. Un peu fruité et frais, je dirais. Oh, ça sent super bon. Attends, hop. Ouais. Ou alors c'est. Non. Non, il est blanc, c'est juste. On voit le reflet. Oh, ça sent super bon. J'aurais dû prendre les autres. Parce qu'il n'y avait pas que elle. Il y avait Bambi, il y avait elle. Il y avait quatre modèles. Il y avait. Qui c'est que c'est les autres? Ouais, je sais plus. Ouais, il y en avait quatre. Ils ont rien de bébé. Ça sent super bon ce truc. J'espère qu'ils le feront tout le temps. Ça, je pourrais en prendre de temps en temps. Ensuite, on a presque fini parce que les autres, c'est en double. Vous vous souvenez, ils avaient fait cela l'année dernière. Les trucs à la banane. Sauf que moi j'ai trouvé le shampoing, la crème pour le visage, pour les cheveux, la crème, hein, le propos. Moi j'ai pas pris ça parce que je mets pas de crème dans mes cheveux. Mais là j'ai trouvé pour les mains. Et j'en ai jamais vu encore. Du coup j'ai pris. Ça sent super bon ma belle. Oh. Sur les mains, ça va être top. Avec tout le gel hydroalcoolique qu'on met, ce serait bien d'adoucir un peu les mains. Donc je mettrai ça. Donc c'est un flacon de 75 ml. Par contre, il n'y a plus shampoing. Enfin, l'action que j'ai dit, il n'y en avait plus. L'autre à côté de chez moi, il y en avait encore. Il n'y avait pas celui-là. Et il n'y a plus l'autre, la crème pour les cheveux. Il y a le deuxième pour Walou. Hein? Et il y a celui-là. Alors. Ah bah si. Oh, j'ai pas fait gaffe. En fait, j'ai pris shampoing et après shampoing. Sauf que c'est pas les mêmes. Ça va faire deux odeurs bizarres. Ça. Tu vois, c'est shampoing. Petit volant comme là tout à l'heure. Parce que là, un shampoing et après shampoing. Ça c'est cool. Alors celui-là il est vanille, patchouli, un truc boisé. Au milieu, on a du jasmin, de l'orange et du péoni, parce que c'est. Et en haut, on a pomme, pois et fruits rouges. Oh, le mélange de dingue. Oh là là. On dirait une sucette, je sais pas si. Oh, c'est une tuerie.
Bah, comment ils ont fait pour mettre trois parfums différents dans une bouteille? Qu'il y a une partie là, une partie là, une partie là. On essaiera aussi. Shampoing, j'ai pas fait gaffe. Shampoing et après shampoing. Pas un crème de soin. Oh, ça c'est parfait. Nickel. Mais bon, ça va faire bizarre quand même. De mettre les deux parce qu'on va avoir, je sais pas combien. Vous imaginez le nombre de mélanges qu'on va avoir d'odeurs. Ouais, ben, je ferais plutôt shampoing. Et quand je voudrais faire un après shampoing, je mettrais un neutre et après tu vois. C'est mieux. Matière, je t'ai trouvé. Alors la tienne, t'as de la chance. Elle est un peu plus remplie. Moi, ils ont dû se tromper, c'est pas possible. Hop, là, elle est remplie. La mienne, il en manquait quelques-uns. Mon Marie-Pierre, j'ai trouvé ce que tu voulais. Qu'elle voulait celui-là, et moi, je crois qu'elle voulait l'autre. Du coup, j'ai pris. Il y en avait plein encore. Elle, quand on avait pris, on n'avait plus. La semaine dernière, non, elle a été mardi. Je crois que c'est mardi. Et ben, ils ont remis. Et le reste, ben, c'est les. Ouais. Il y a juste deux trucs pour vous en prix. C'est pour offrir à des petits gamins. Donc voilà, ben, je remets tout dedans. Je rangerai après. Ben là, il faut que je trouve un colis pour envoyer tout ça. Donc voilà, écoutez, ben c'était un haul, voilà, 1 heure, un haul nose et action. Hop, et ben moi je souhaite une bonne journée. Il y aura une deuxième vidéo parce que j'ai reçu une page d'amitié et j'ai reçu du tonton Ali. Donc je vais faire une petite pause, je vais boire un petit coup et après je ferai la deuxième quand celle-ci sera chargée. Voilà. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.